Evelyne Delia sera sur le plateau des 12 coups de midi le lundi 5 juin prochain, pour mettre en avant l'opération Mobilisation Cancer, tous ensemble avec les chercheurs, portés par le Centre Gustave Roussy et la Fondation ARC. Le jeu télévisé de TF1 va ainsi tenter, pendant toute la semaine, de récolter un maximum de fonds pour la bonne cause. La présentatrice météo de 75 ans sera donc là le premier jour pour encourager les téléspectateurs à faire preuve d'altruisme. Et si cela lui tient tant à cœur, c'est parce qu'elle a déjà eu un cancer du sein, il y a 11 ans. Dans les colonnes du nouveau magazine Télé Loisirs, qui sera disponible à la vente dès le 30 mai prochain, Evelyne Delia a expliqué la raison pour laquelle elle avait décidé de passer sous silence cette épreuve de sa vie lorsqu'elle la surmontait. « J'estimais que c'était quelque chose de très personnel et que je n'avais pas forcément à en parler ou qu'il n'y avait pas matière à s'appesantir sur mon sort. » Malgré tout, certains téléspectateurs n'étaient pas dupes et ont remarqué que quelque chose d'anormal avait lieu, même si elle s'était fait opérer pendant les vacances estivales en estimant que ça passerait inaperçu, on a vu que j'avais une perruque. Je l'ai enlevée, on a vu mes cheveux pousser. Mais la présentatrice météo emblématique de TF1 a, de prime abord, préféré faire preuve de discrétion. Supérieure à Evelyne Delia, retour sur son évolution physique. Une animatrice devenue marraine d'Octobre Rose, je ne voulais pas communiquer dessus, pour que ce ne soit pas trop repris par une certaine presse. J'ai toujours fait une séparation entre ma vie professionnelle et ma vie privée, a affirmé Evelyne Delia. C'est finalement grâce à l'association Ruban Rose, qui œuvre pour pousser les femmes à se faire dépister du cancer du sein, qu'elle a décidé de se confier sur ce moment difficile de son existence, lorsqu'elle se battait contre la maladie. En devenant marraine de l'opération Octobre Rose, la présentatrice météo a ainsi ressenti la responsabilité d'informer la population, en mettant à profit sa notoriété. Et ses fans lui ont rapidement envoyé des retours chaleureux pour la soutenir. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jack Tribeca.